mes yeux s'ouvrent sur une vérité atroce. Les peuples souffrent comme s'ils méritaient la mort, mais ne sont pas prêts à voir leurs conditions d'esclaves à cause d'une fausse liberté. Cette illusion est grave. Depuis les ombres, ils manipulent et tirent les ficelles, créent des crises, détruisent et reconstruisent des systèmes. Mensonges frontales pour nous tordre le mental, pour nous faire avaler leur nouvel ordre mondial. Dans leur cerveau de malade, on serait trop nombreux sur cette planète. Ils rêvent d'un milliard de moutons et eux derrière les manettes. Chaque nouvelle guerre fait avancer leur objectif. Ils financent les deux camps, toujours gagnant, lirant leur prochaine cible. Par la bouffe qu'on avale et l'air qu'on respire, les émissions qu'on mate, les artistes qu'on estime. Ils tiennent notre esprit, l'empêchent de s'épanouir. Faudrait pas qu'on se mette à réfléchir ou la haine va bouillir. Grâce à YouPorn, ils nous transforment en petits pervers. Sous leurs airs libertaires, cherche à Bilderberg. Tu contestes, on peut vite faire taire. Un accident ou un suicide, voilà ce qui te réserve. Rockin' Squat a déjà lancé un premier avertissement. 6, 6, 6, ils veulent notre asservissement. Ils ont l'argent et savent placer leurs investissements. Provoquent des faillites, et pour nous c'est l'amaigrissement. Contrôle le FBI, la CIA, la NSA. 90% des richesses et nous 100% du RSA. Ils créent les problèmes et viennent nous sauver, ouais c'est ça. Leur cause n'est pas la même que celle de Mère Teresa. Ils centralisent le pouvoir sous couvert d'accords commerciaux. Messages subliminaux, leur influence commence au berceau. 33ème degré protège tes causes de leur grosse merco. Et perso, ils me font gratter des pages recto verso. Mes yeux s'ouvrent et moi aussi je suis dégoûté, parce que je vois un monde sombre où les gens sont tous envoûtés par le pouvoir. Regarde bien et dis-moi si t'es dit si t'as le droit d'ouvrir ta gueule. Bien sûr que non, t'as un calibre en face de toi. Alors tais-toi et avale les infos que l'on te donne. Ils ne veulent pas que tu réfléchisses, ils veulent seulement que tu consommes. Ils nous dirigent, nous manipulent, nous considèrent comme du bétail. T'as beau te plaindre, te rebeller, mais au final tu n'es pas de taille. Demande à Bouygues ou Total comment ils font pour exploiter l'uranium ou le pétrole dans ces pays tant convoités. Ils créent des guerres, des colonies, te parlent de chiffres d'économie. Ils pillent l'Afrique et se foutent bien des catastrophes écologiques. Leur seule logique, le profit, les moyens technologiques. Ils auraient créé des maladies pour l'industrie pharmaceutique. Les théories du complot sont nombreuses et inquiétantes. Au fond, regarde à qui profitent les attentats du 11 septembre. Les armes sismiques sont testées, la terre tremble en Haïti. Et bizarrement, ils ne font rien face à la Chine ou à Poutine. Y'a trop d'enjeux commerciaux, c'est les plus faibles qui ont baptisé Israël impunément pour envahir la Palestine. Pendant que eux se bâtissent un empire d'un toit du trône, que fait l'ONU, que fait l'ONU à part compter les victimes? Ils sont complices de ne rien faire, des collabos, voilà ce que c'est. Ils vendent des armes à Kadhafi et le liquide tout juste après. N'écoutez pas CNN, BFM ou les médias, tous corrompus depuis longtemps. Ils ont vendu leurs âmes au diable. J'écris des pages et des pages, dois payer ces altavis. J'ai un grand cœur comme la Bécœur, mais pas l'argent des Qataris. Mais dis-moi qui tient les ficelles, qui nous contrôle, qui nous dirige. Mais dis-moi qui tient les ficelles, qui nous endort, qui nous divise. Mais dis-moi qui tient les ficelles, qui nous surveille, nous utilise. Mais dis-moi qui tient les ficelles, qui est coupable de gourmandise. Mais dis-moi qui tient les ficelles, qui nous contrôle, qui nous dirige. Mais dis-moi qui tient les ficelles, qui nous endort, qui nous divise. Mais dis-moi qui tient les ficelles, qui nous surveille, nous utilise. Mais dis-moi qui tient les ficelles, qui est coupable de gourmandise. Gourmandise.